En fait, c'est vachement austère la résidence du jury final. Il y a ni table, ni chaise. Et je suis curieux de savoir qui a été éliminé au dernier conseil. Personne à l'horizon, c'est long. Hé, je suis là. Tape dans la main. Fais le bisou. Eh ben comme ça, on va être deux à attendre Maxime. Eh ouais. Je suis tellement impatient de lui faire sa fête, tu peux pas imaginer. Et sinon, dis-moi, y'a quoi à faire dans cette résidence du jury final? Bah écoute, là t'es assis, donc t'as à peu près tout fait. Ah ouais, on va sacrément se faire chier alors. Et en même temps, ça nous laisse le temps de ruminer ce qu'on pourra faire à Maxime quand il sortira. Ah, le coup de pied retourné, c'est vraiment super. Et lui en coller deux, c'est encore mieux. Ah écoutez, c'est le jeu, hein, moi je suis pas méchant. Maxime, il m'a dit qu'il a beaucoup pensé à moi en ouvrant les noix de coco. Crève, crève, crève. En fait, il vaut mieux être pote avec Maxime. Et jamais lui tourner le dos. Tiens, tu vas bien? Connard. C'est même plus une question de mauvaise ambiance sur le camp. Maxime est tellement imprévisible sur ses votes et sur son comportement, on est tous complètement flippés quand il est là. Je vous aime bien, mais va falloir que je vous élimine tous. La bouteille! On arrive! Sincère et sympa, ce médecin avait une poitrine opulente, rapportait-on. Ça veut rien dire? Ah, faudrait arrêter un petit peu avec toutes ces allusions sur la poitrine de Mélanie. Et Mélanie, t'as pas trouvé que le vote s'est passé tard hier? Pourquoi tu me demandes ça? Bah, je me demandais quand votait-on. Ah, t'es lourd. Ah, ça je confirme, y'a du lourd. C'est limite malsain. Ah, bah tu vois, tu t'y mets. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Alors, imaginez une grand-mère avec plein d'enfants qui braillent, une vieille baraque qui pue et un lit humide. Et pour pouvoir gagner ce confort, il va falloir disputer une épreuve. Ah, je mangerai n'importe quoi, ça fait plusieurs jours que je fais le jeûne. Ah ben, si tu veux te faire un vieux aussi, bah on est là. Maxime, qu'est-ce qui se passe? Je vous sens fébrile. Oh, je suis sensible. Vous êtes un garçon sensible. J'ai pas de cible, je sais pas sur qui tirer. Tiffany, ça vous fait réagir? Eh bien, pas question de me faire tirer par Maxime. Ah, de toute façon, personne ne touche à Tiffany, c'est une perle. Ah, c'est son huître qui nous intéresse. Qui a dit ça? Bah alors, trop c'est trop. C'est moi qui décide qui va chez la vieille. Pas nous. Embrasser une femme alors. Ah bah merde. Ah bah moi je veux faire le bisou à Dédé. Allez bisous, allez bisous. Ah non. Je sais pas ce que vous foutez mais ça me désespère. Mais parlons maintenant de votre épreuve. Il va vous falloir réfléchir et être organisé. Vous avez ici des symboles à mémoriser. Tiffany, vous comprenez donc que cette épreuve ne peut pas se faire avec vous? D'accord Denis. Putain mais elle va où? Ah pas par là, pas par là. Elle va où? Tiffany, le camp est de l'autre côté. Elle va se perdre. Bon ben, on sait pas du tout où elle va du coup. Ah, de toute façon, on s'en fout complètement, pas vrai? Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas, on est triste là d'un coup. On est tous en train de craquer. Eh ben, je vous envoie tous chez Mémé, ça vous fera du bien. Enfin, tous, sauf toi, 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 toi et toi. Barrez-vous aussi loin que possible, je vous retiens pas. L'horizon, c'est bien. Et revenez pas trop vite. Merci, Denis. En fait, j'ai marché vachement longtemps sur la plage. J'ai pas retrouvé le camp, mais par contre, j'ai retrouvé Jean-Claude avec son bateau. Bon, excusez-moi, je parle pas anglais. Je vois que vous vivez un petit peu comme des clochards. Bah, en fait, il s'appelle Jean-Claude, il a plein de qualités. Bah, il paraît que les autochtones, ils ont une bite de 3 mètres. Ah, il te laisse un trou du cul comme ça, je te jure. Hey, Jean-Claude, il s'est un petit peu frotté à moi tout à l'heure. La question qui me touche. Hein. Et moi, j'ai vu, il a une bite comme ça. Il m'a gentiment proposé de m'accompagner dans un endroit à l'abri des regards. Et Jean-Claude, c'est pas la bonne île? Ça va être mon île. Sur l'île de Jean-Claude, tu arrives en marchant, tu repars en boitant. Ah, je suis pas sûr que ce soit vraiment dans le programme. Ah bah on va commencer sur la table, et d'ici ce soir on fera ça 11 fois dans la nature. 11 fois, non mais c'est un fou ce Jean-Claude. Inutile de vous dire que j'ai pris mes jambes à mon cou. Et oui, je suis très souple. Meuh. Ah putain, j'espère que c'est pas là. Ah, ils nous ont mis à travailler la terre dès qu'on est arrivé. Eh bah, ça c'est du confort, on s'en serait bien passé. On n'était pas très motivés, mais comme ils ont sorti les fouets, on a travaillé beaucoup plus vite. Ah le pire, je sais pas si c'est le fouet ou c'est le gosse qui arrête pas de brailler. Bon, évidemment, je vais pas raconter aux autres ce qui s'est passé. Bah t'étais où, copine? On s'est fait du souci? Oh rien, j'ai trouvé un super transat et un jus de fruits. C'est quoi ces conneries? Ça n'a ni queue ni tête, ton histoire. C'était plutôt un tête à queue. Ah, hier soir, on a joué à un jeu vraiment super. Ah, hé. Ah ah. Hé, t'as vu? Ah, et moi, t'as vu? Ah, une bouteille. Vous avez reçu du courrier, va falloir aller le chercher. Ah, le courrier, qui c'est qui y va? Ah, moi j'ai pas envie de faire la queue au guichet. Hein. Nous on y va! Ah, j'ai jamais vu un facteur courir comme ça. C'est Chronopost. Ah, Chronopost, c'est les seuls qui trouvent pas l'interphone chez moi. Ah, bah ça c'est une tâche qui m'incombe, je suis factrice dans la vie. Eh bien, moi je suis apprentie factrice et je suis fière de l'être. On va vous rapporter vos lettres, vous serez fiers. Et au fait, j'ai des enfants. Ah, moi aussi j'ai des enfants. Prends mon courrier en priorité. Ah, j'ai une grand-mère. Ma tata est malade. Ne laisse pas mon courrier, j'ai des cousins, j'attends des nouvelles de mon voisin. Oui, donc je suis factrice à la poste, et mon mari ne travaille pas non plus. On bouge avec la poste, on bouge avec la poste. 1, 2, 3. Oh là là, mais ils sont pas suffisamment affranchis, hein. Je peux pas distribuer tout ça. On serait complètement timbré de pas tout prendre. Ben non, on est peut-être timbré, mais le courrier est pas assez. Et y a même pas d'adresse, c'est n'importe quoi. Et s'ils sont pas contents, ils appelleront le 3631 pour faire une réclamation. Ah, j'ai tellement hâte de recevoir des nouvelles de mon arrière-petit-fils. Alors on a pris le courrier en priorité aux personnes mariées ayant des enfants entre 0 et 6 ans, n'étant pas encore propriétaires et ayant un casier judiciaire vierge. Je suis vraiment désolé, mais l'administration, c'est l'administration. Attends, ça va, ça va, ça va.
Ah, Dédé, pauvre Dédé. Ah, attendez, je suis en train de faire pipi. Ah, c'est pas le moment. Bon, je vous attends, merde. Ah, Denis, moi j'ai un collier d'immunité. Ah, c'est le collier de Jean-Claude. De par ce biais et en conséquence de la présente, vous êtes intouchable. Fabian, est-ce que vous aviez reçu du courrier? Oui, Denis. Normal, vous êtes un affranchi. Allez, salut.